petit bébé est fatigué. Bon, bravo le bébé, on a réussi à y mettre ses petites... On a lutté, mais c'est bon. Il est drôle. Ah. Il est pour récompenser. Oui. Regarde, t'as le droit. Ils sont peut-être un peu trop grands, là. Ah bah ok. Ils sont trop grands, my god. Peut-être qu'on les a pas bien mis non plus. Pauvre bébé, là, c'est parce qu'on veut pas qu'il se fasse mal à ses petits coussins dehors. Fait qu'on lui a acheté des... genre des petites ballons, on dirait, là. Mais... ouais, c'est pas très concluant. C'est super difficile à mettre, je trouve. Ça colle, genre, sur le chien. Tiens. Merci. Peut-être qu'on y achètera des petites bottes, là. Parce que ça a pas l'air qu'on faut. Viens, regardez-moi ça. Notre première sortie avec les petits bottes. Oh. Viens, Killer. Viens par là. On va y acheter des bottes avec des clous pour pas qu'ils viennent. C'est bien ça. Ça a été dur à les mettre, mais... Hey, youhou! Le bébé fait sensation! Vraiment? Oui, on revient du Pharmaprix. Puis, comme c'est la vedette quand on se promène avec lui dans le magasin. Je vais s'acheter des trucs pour le rhume. Parce que j'ai le rhume. C'est la merde. Je vais s'acheter de la teinture blonde pour pâlir mes cheveux, pour mettre du vert. Ça y est! Fait que je me suis dit que peut-être j'allais faire ça en arrivant. Non, mais je m'en allais dire, c'est parce que je vais pas à mon party. En tout cas, je pense pas aller à mon party de YouTuber ce soir. Fait que je me dis, tant qu'à rien faire, puis à m'apitoyer sur mon sort, puis à pleurer dans mon coin, aussi bien changer de tête. Mais tu sais, si c'est laid, là, ça va vraiment être la merde. Là, j'ai vraiment avoir envie de m'arracher. Heureusement la qu'on tête. Est là. Le killer et moi. Oui. On t'empêche, on va ôter tous les couteaux, tous les objets dangereux et contondants. Oh là là. Merci. Ouais. Mais tu ne peux pas m'arracher à moi-même. mon dieu, je suis désolée de vous faire subir cette image de moi malade. J'ai un rhume. Oh, c'est de la merde. Je suis tellement fatiguée, j'ai mal à la tête, je peux plus respirer. Je me sens horrible. Je pense que j'ai fait de la fièvre tantôt. Je me sens toute courbaturée. C'est pas cool. Je vais même pas à mon party avec Attraction Images ce soir. Ça me déçoit tellement. Là, mais genre, j'ai juste zéro énergie pour faire la fête. Je suis dead. Là. J'ai fait une sieste de presque 2 heures tantôt. Je fais jamais ça des siestes. Ce soir, je vais me coucher super tôt pour essayer d'être en forme pour Noël qui s'en vient. C'est comme tellement pas le temps d'être malade, je trouve. Ça allait des parties de famille pis tout. Pis ça finit souvent tard. Puis oh, je vais contaminer tout le monde. Oh, ça m'énerve. Je voulais tellement pas le rhume, là. Surtout pas à ce temps-ci. Après Noël, genre, on dirait que ça m'aurait pas dérangé. Mais avant Noël, là. Pis surtout aujourd'hui. Oh, ça me fait chier, là, de manquer cette party-là, là. Oh mon dieu, faut pas que je pense. Je suis comme déçue. J'aurais dû genre me mettre en quarantaine tout le temps avant genre d'arriver à cette soirée-là. Ah, je suis vraiment triste. Pour vrai, là, ça me déçoit vraiment beaucoup. Je suis fâchée contre moi d'être malade. Oh, bref. On vient de finir de souper, puis là, Killer, il reniflait les tapis beaucoup trop, fait qu'on l'a sorti dehors. Il a essayé de faire un caca sur le tapis, mais je l'ai tassé, puis il l'a fait sur le plancher. Mais on l'a sorti dehors, pareil. Mais là, bref. Hey, je vous parle de merde, c'est super intéressant. J'ai l'impression que je vous ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, là, parce que, comme je vous ai dit, je file juste pas bien. Mais je compte bien revenir en forme dès demain. J'aimerais ça. Demain, genre, je vais avoir une bonne nuit de sommeil là, ce soir. Puis demain, on aimerait ça aller à l'Assomption au marché de Noël. Voir des petits trucs, puis promener le chien. Puis juste prendre de l'air un peu, le sortir. Parce que j'ai été beaucoup plus occupée que j'aurais pensé ce mois-ci avec plein de trucs. Ça fait que j'ai pas beaucoup sorti, puis à cause de Killer, ben on a comme fait moins d'activités que j'aurais aimé qu'on fasse. On va se réajuster les mois prochains, là, c'est sûr, là. Tu sais, avec Killer, c'est tout nouveau, fait que tu sais,
Je voulais aller à Saint-Jean-de-Mata, puis des trucs comme ça, mais là, ça sera pas à la fin du mois parce que j'ai beaucoup trop de trucs à faire, puis parce que je suis malade, ouais. Mais inquiétez-vous pas, je vais quand même vous amener avec moi quand on va aller à Saint-Jean-de-Mata, descente sur trip, sur tube, je ne sais pas comment appeler. Y a-tu chié? J'ai insisté pour qu'il chie, mais il l'a fait! Ah, il l'a fait? Oui. Yeah! Ça, c'est genre le Victor. Ah, oh, il est picotant, le bébé! Pas toi, Egan, t'es killer, c'est le caca. Il est allé, t'es allé jusque où? Il a pissé en fait juste devant, puis je suis allé après jeter les caca. Ouais. Et puis il a pissé près des voitures. Avec caca. Ok. Yeah! Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est ça. Ça se fera dans les prochaines semaines. Mais je vais vous amener avec moi parce que ça va être drôle. L'éducation? Non, je parlais de Saint-Jean-de-Mata et tout ça parce que je sais que j'étais malade puis que ça se fera sûrement pas à la fin de ce mois-ci parce qu'on est super occupé. Ouais. On a genre des soupers à chaque jour. Oh my god. Donc, c'est tout. C'est tout. Je finirai pas le vlog tout de suite, je pense. Non. Mais ça sera pas Babalon qui va finir, je pense. Je crois que je n'ai jamais eu le nez aussi bouché de toute ma vie. Ok, sérieusement. Je peux même plus respirer. Oh my god. Le vlog va se terminer là parce que, sérieusement, toute ma soirée, je l'ai passé à dormir sur le divan. Avec Rose et Keller. On s'en va se coucher. J'en ai vraiment besoin. Merci d'avoir regardé ce vlog. Quand même, j'ai de la misère là. C'est dégueulasse. Je suis désolée. On se revoit demain. J'espère aller mieux demain. Demain, je vais essayer de faire mes cheveux. Même si je suis malade. Et donc, c'est ça. Merci d'avoir regardé. Oh mon Dieu Seigneur. Bye! Mouah! Je vous envoie pas mes microbes là. Ok. Ok.